Salut très chers abonnés, j'espère que vous portez ça à merveille. Si tu es nouveau sur cette vidéo, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification si cela n'est pas encore fait. WhatsApp améliore ses fonctionnalités et vous permet de créer une grande audience en regroupant un ou deux ou trois ou plusieurs groupes comme une audience. Donc ici, je vais vous montrer cela, comment cela se fait, comment regrouper deux ou plusieurs groupes en une audience ou en une communauté. Avant de commencer, si tu n'es pas abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Tout à l'heure, nous voilà sur l'interface de notre téléphone. Nous allons cliquer sur l'application WhatsApp comme suit. Une fois cliqué sur l'application WhatsApp, ça apparaît comme ceci. Si vous voyez si bien ici, là on a cliqué. Site du casier judiciaire, vous avez vu qu'il y a plusieurs groupes qui sont à l'intérieur de ce groupe. Ou bien à l'intérieur de cette communauté ou à l'intérieur de cette audience. Donc nous allons cliquer là et je vous montre l'astuce. Donc une fois lorsque on clique là, vous allez voir, c'est ça ici, on remonte en haut, on clique sur le site du casier judiciaire. Vous allez voir que j'ai intégré encore, il y a trois groupes dans un seul groupe. Ce qui veut dire, c'est une communauté ici, le groupe forme déjà. Donc nous allons retourner ici, cliquer sur info. Dans info, vous avez bien vu, on a créé trois groupes. Une fois cliqué sur info, vous allez voir que il y a ici deux groupes là-dedans, plus le troisième groupe que je viens de créer, qui forme encore une communauté. Donc je vais ressortir et vous montrer les procédures à suivre pour créer une communauté ou une grande audience autour de WhatsApp. Donc nous allons ressortir et nous venons ici à côté de discussion. Tout juste là, vous allez voir comme si c'était comme groupe. Et vous venez ici, vous cliquez sur nouvelle communauté. Une fois lorsque vous cliquez sur nouvelle communauté ici, nous allons cliquer. Ça vient ici, on dit donner le nom de la communauté. Une fois ici, vous allez donner le nom de la communauté. Soit ici, moi je prends blague. Nous allons taper blague. Après avoir donné ici, on met le nom de la communauté, on donne ici une description. Soit chez moi, je mets respect des membres. Donc, on va taper respect des membres. Donc, ça, c'est la description. Et là, je clique sur suivant. Une fois cliqué sur suivant, je patiente. Nous allons un peu patienter et ça apparaît comme suit. Donc, ici, on dit maintenant de créer un nouveau groupe. Soit vous créez un nouveau groupe, soit vous venez, comme je le disais, soit vous créez un nouveau groupe, soit vous ressortez carrément et vous revenez, vous ajoutez des groupes existants dans ce groupe de blagues. Donc dans ce groupe de blagues, vous allez sélectionner des groupes que vous êtes administrateur, des groupes dans lesquels vous êtes administrateur et maintenant les insérer dans la communauté. Là, ça va former une grande communauté. J'espère que c'est bon. Donc c'est la fin de cette vidéo.